Sur internet, vous allez sur internet et vous cherchez sur Claude Party en fait. Je viens de savoir ce que je cherche. Je viens de mon père, qui a travaillé avec lui comme avec d'autres artistes de l'école de Nice. Et moi je ne le connaissais pas personnellement. C'est quelqu'un de très humain. En deux coups de fil, il a accepté un projet dans lequel il ne savait pas où il allait mettre les pieds. Et voilà, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser le support que vous voulez. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, c'est ça. J'ai dit non, mais particulièrement les fenêtres, parce qu'on a du mal à trouver quelque chose pour les mettre en valeur. Et quelques semaines après, il est revenu à sa telle pure mesure, je lui ai proposé des choses nouvelles. Une rencontre avec les élèves, des discussions, pouvoir créer en fait un véritable lieu où les élèves puissent rencontrer l'art directement. On tourne le dos, un quart d'heure après, vous avez une Dolly qui est en train de danser. Vous avez un temps de techno, l'éducation nationale n'a pas beaucoup de moyens, on s'était dit que le conseiller général, comme... Il m'a dit, je sais pas. Je passe le temps là. Vraiment, c'est un homme extraordinaire. Je vais le redire parce que... on ne trouve pas beaucoup d'artistes qui acceptent, ils disent voilà, tu as 0 euro, tu as juste un support, mais est-ce que tu peux nous rendre quelque chose d'extraordinaire? C'est ce qu'il a fait. Je vais prendre manger à la cantine. C'est vrai. Des projets à la fois mêlant l'art, la science et l'éducation pour pouvoir. Montrer aux élèves que l'art, ça se vit au jour le jour. J'ai assisté au point de départ et j'ai entendu beaucoup, beaucoup de compliments et beaucoup de films de la part des personnes qui travaillent ici. Donc, maintenant, je sais que vous êtes un homme formidable.